Et salut les guests, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène au restaurant Le Walt. La situation. Et voilà, donc on est ainsi au Walt, pour moi la deuxième fois. Donc je vais changer les plats que j'avais pris. La dernière fois, j'avais pris le chili con carne, donc ici. Et là, je pense que je vais me laisser tenter par le poisson. Alors, je sais plus c'était quoi exactement le poisson. L'omble. L'omble chevalier. Voilà, avec un riz. Et puis on va finir par un pineapple, parce que je l'adore ce pineapple. Et en entrée, je sais pas, je vais voir, je vais encore me décider. Je vous montre la carte. Donc on peut voir sur la carte qu'en dessous des intitulés, donc des entrées, comme là le chicken pot pie, c'est une recette classique américaine concoctée à l'époque par Bessie Postlethwaite, une cuisinière de la famille Disney, ici revisitée. Voilà, un clin d'œil donc croustillant. Mickey fait référence à la recette favorite de Walt, qui ajoutait du biscuit salé par-dessus. Voilà, il y a toutes des petites anecdotes et ça c'est vraiment sympa. Et donc on peut remarquer que le restaurant est découpé par rapport aux plusieurs landes qu'il y a à Disneyland. En tout cas. Et nous ici, on est du côté Pirates des Caraïbes, même si je trouve que ça fait un petit peu... Aventureland, on est... Ouais, Aventureland, c'est ça, oui, parce qu'il y a comment ça s'appelle, Aladdin, enfin on est... Ouais, c'est pas mal. Voilà, on aurait préféré être quand même du côté de Main Street, mais bon, malheureusement, on peut pas toujours choisir.
Voilà, donc là on a la salade Waldorf. Donc c'est avec du roquefort. Oui, roquefort et la vinaigrette, c'est thym citron. Et la roquefort, ouais, roquefort, thym citron, vinaigrette. Et puis il y a des noix, on voit là qu'il y a des noix. Il y a des raisins secs. Ouais. Voilà. Donc voilà pour cette salade. Et nous on a pris voilà, la petite tourte. Un petit peu de sel. Donc la petite tourte. On a un petit biscuit, je pense que c'est un petit biscuit salé, comme le dit dans l'intitulé. Et là, voilà, on va voir le petit poulet qui a l'air très bon. Alors moi, je vais déguster ça et je vous dirai ce que j'en pense. Youp. Voilà, donc j'ai mangé le chicken pot pie. Alors bien sûr, hein, c'est les goûts de chacun. Moi, j'ai bien aimé. Au final, ça reste simple, hein, du poulet, de la crème, avec dedans du céleri, enfin, il y a des petits légumes. Non, c'est plutôt pas mal pour une entrée, c'est pas trop lourd, c'est juste bien. Et puis on a aussi le petit beurre demi-sel, je vous montre là. On a déjà tapé dedans. Hein. Petit beurre demi-sel, dessiné, très très bon. Donc ça on le mange avec notre petit morceau de pain, c'est de la gourmandise. Et pour la salade, apparemment elle était très bonne aussi, très très bonne. Bien sûr, il faut aimer le roquefort. Et par contre, on n'est pas volé sur les noix de pécan, hein, parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup dans l'assiette, et ça c'est plutôt bien. Voilà, donc là on a le chili con carne que j'avais déjà pris la dernière fois, donc vous voyez c'est déstructuré. Et là on a le reste de la sauce là-dedans. Ici le filet de poisson. Ah, il est grand, hein, il y a de quoi manger. Hein. J'ai ma main, c'est quasiment la taille de ma main. Et là le poulet avec la petite sucrine. Voilà, donc le Walt, on a fini de manger, donc j'ai pas commenté les plats et le dessert, simplement parce que ça va dépendre de vos goûts aussi. Je sais pas à quoi ça vous servirait de vous dire ouais c'est bon, c'est pas bon. Ça se trouve vous avez des goûts complètement différents des miens. En tout cas moi le poisson avec les épices cajun, j'ai adoré ça. Après il faut aimer bien sûr les épices cajun. C'était vraiment très bon. Pour moi les proportions sont juste ce qu'il faut. Voilà. Parce que dans certains autres restaurants, je pense par exemple au Captain Jack, où je trouve que les proportions, il y en a beaucoup trop. Et à la fin, on en a vraiment le dessert, il arrive là. Et après, c'est compliqué d'évoluer sur le parc. On a le gros ventre et on a juste envie de faire une sieste plus qu'autre chose. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à laisser les commentaires. Ça me fait plaisir de savoir surtout si vous avez déjà été au Walt et qu'est-ce que vous en pensez. Au-delà de ça, laissez des petits pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo, moi ça me fera plaisir. Et puis ça me donnera plus de visibilité sur YouTube. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, ça me donnera plus de force. Et comme d'habitude, à bientôt pour de nouvelles vidéos.